Let's talk about the national symbols one by one now. We'll take the first one, the Mauritian flag. Donc, je vous ai dit, mon symbole national pour un pays, c'est un objet, car un objet aussi. Donc, ici, premier objet, c'est le drapeau national. The Mauritian flag. Donc, nous parlions du drapeau national, le drapeau national, the national flag. Il est aussi connu comme four stripes, ça veut dire qu'il y a quatre bandes là-dedans, quatre bandes horizontales, qui de différentes couleurs, quatre couleurs différentes. Et après, nous avons quatre bandes, the four stripes, et après, on appelle les quadricolores. Quadricolores. Alors, the four colors. Ça, une couleur-là, pas choisirait au hasard, ça, une choisirait d'après l'histoire de Maurice, d'après Maurice Coty situé, écoute l'histoire comme un pot, mais, ok? Sa quatre couleurs-là, une choisirait, pense bien avant de choisir. Donc, moi, qu'est-ce qu'ils ont représenté, ça, une quatre couleurs-là. The red color, the struggle. The struggle veut dire la lutte. Ok? Of our ancestors, c'est-à-dire la lutte de nos ancêtres, et l'actualité pour notre liberté, l'actualité pour gagner une meilleure vie, rappel, freedom for example slaves, better life, example the Indian immigrants, and the struggle for independence, struggle, c'est-à-dire la lutte pour l'indépendance. L'indépendance, pas une seule qu'une décidée, ça prend beaucoup d'années de discussion, une grande conférence en Angleterre, là qui décide pour donner Maurice l'indépendance. Ok, ça c'est. Rouge, il représente la lutte. Red, c'est le struggle. Bleu, facile. Bleu, c'est plus facile. C'est l'océan Indien, the Indian Ocean, where Mauritius is located. Yellow. Yellow, c'est the golden sunshine, le soleil de Maurice. Et puis, bien sûr, yellow, c'est la couleur de l'espérance, veut dire l'espoir. The hope for a bright future. Mais dire, comme tu gagnes l'indépendance, il y a un grand espoir qui nous gagne, nous développe le pays d'une façon qui nous gagne un futur bien brillant. Okay? Et green, bien sûr, ça c'est facile aussi. The dense vegetation of the island. Végétation, veut dire tu vois une plante qui est là, sugarcane, forest, légumes. Okay? Tu vois une plantation qui est là, Maurice, bien sûr, autour de nous. Plus beaucoup, Maurice, comme nous dit depuis de l'espace, soit depuis en l'air, depuis dans le ciel, les couleurs vertes. Okay? The green. Green, c'est dense vegetation of the island. Alors, look at the importance of the flag. Why the flag is important? Je peux guetter national symbols, why they are important. Mais il fait pareil. The flag develops a sense of belonging. Okay? Donc, par exemple, dans l'indépendance, c'est un monsieur expliqué que l'indépendance, nous tous mettons pavillon dans la case. Donc, il développe un sens of belonging, un sens d'appartenance à nos pays. Okay? Nous sentons-nous fiers d'être Mauriciens. And citizenship, citoyenneté. Citoyen veut dire un habitant de cette île-là, donc nous sommes Mauriciens. The flag develops a sense of belonging and citizenship to the country. Il faut noter dans votre cahier. Autre question sur pavillon Maurice. Donc, where is the flag seen? Que nous trouvons pavillon Maurice tout le temps. Okay? In front of the State House, à Réduit, veut dire château du Réduit, que le président, ce bureau était. Donc, tout le temps, il y a un pavillon Maurice là-bas, devant le State House. Inside the Parliament, c'est un petit parlement, une chaîne appelée Parliament TV. Si nous avons un petit ça, nous trouvons que le speaker, c'est il y a un pavillon Maurice à côté. Okay. À l'intérieur. Et puis, bien sûr, à l'école, devant une place publique. Okay. Par exemple, à l'école, in school premises. Donc, dans toute institution d'éducation à Maurice, il y a dans la cour, nous mettons pavillon Maurice. When is the flag raised? Donc, quelle est l'occasion que nous, les pavillons Maurice? During, facile, during the independence, des celebrations. Chaque année, pendant célébration de l'indépendance. Que ce soit à l'école, que ce soit au Champ de Mars, soit, et n'a pas fait du château des Réduits aussi. Okay, les pavillons. Et puis, bien sûr, during international sports events, exemple, Jeux d'Afrique, Coupe d'Afrique, comme ça. Jeux des îles de l'océan Indien, Jeux des îles, ou soit devant des autres compétitions internationales, quand Van Mauricien devient champion, c'est-à-dire qu'il gagne la compétition. During international sports events, where Mauritian athletes win competitions. Okay? Donc, quand un athlète Mauritien remporte cette épreuve, c'est-à-dire remporte la compétition, Pavio Maurice l'élevé ensemble et nous jouons l'île nationale aussi.